Des confinettes, on est le dimanche 23 octobre. C'est trop calme, ça cache quelque chose. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je le ressens. Après, on rencontre de moins en moins d'autochtones. Où sont passés les habitants? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est les vacances. Les vacances, elles ont bonne mine, les vacances. Même en dehors des vacances, il y a toujours quand même moins de personnes. Oui, mais qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Pardon, ça se transforme. Les centres-villes vont se désertifier. Il va donc se passer quelque chose. Une transformation, un atterrissage, une invasion. Comment ça va se caser? On va être envahi? On va recevoir des ovnis? Qu'est-ce qui va se passer? Un grand chamboulement, la grande réinitialisation. On est dedans. On est coincé. On peut pas quitter cette terre. On n'a jamais pu. On sait pas où on est. On sait pas ce qui se passe. Et on a peur. 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 Et ça n'empêche pas le danger. Oh, ça n'empêche pas le danger. C'est comme ça. Autant se rassurer comme on peut, peut-être encore se faire confiance, se retrouver au coin du feu. Ah, bientôt va faire froid, on va avoir froid, patati patata, gna gna gna. Mais qu'est-ce que tu nous dis? J'en peux plus, je veux plus t'écouter, tu me fatigues, tu me fais perdre du temps. Patati patata, la pépépépêche, pat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 a. Faites-vous confiance. On travaille, nous, sur nous-mêmes. Travaillez-vous sur vous-même. On travaille sur soi, soi, soi. Allez, à la voyure, à l'aventure, à demain.